Bonsoir, bienvenue sur Bandolero. Ben, ce soir, c'est la troisième étape du convoyage entre Termoli et Marseille, pour Saint-Louis-du-Rhône exactement. Au départ ce soir, on espère juste avoir des conditions météo que nous méritons et non pas les coups de torchon épouvantables du deuxième trajet entre Reggio et ici, qui devait être Reggio à Marseille. Mais on a abandonné devant l'adversité. On va appareiller vers 21h, direction Bastia, avec des conditions météo a priori idoines, entre 8 et 12 nœuds, vent portant, pour faire 140 000. On devrait arriver demain soir vers 20h, à peu près 19-20h. Voilà, Fifi, le dernier des quatre, c'est pas le dernier des Mohicans, mais le dernier des quatre, vient d'arriver d'Arcachon, et donc on lui a donné 2 minutes et on a pareil pour Bastia, et tout va bien. Gus, tu te mettras à l'avant. Ouais, c'est bon. Je largue la main avant. Et c'est parti. Voilà. Sans transition, hein. Bon, vous êtes bien suivi les cours des écoutes et bras, hein, pour pas qu'on se mélange avec les termes de 10 litres de gasoil. Et je pense que c'est raisonnable. Pardon ? Un peu à droite, hein. Là, t'as mutoir, pas à droite. Première nuit à bord de Bandolero. Le vent s'est levé à cause d'un gros nuage noir à 5h du matin. On a changé d'amure, pris un riz. Sorti le phoque, et puis maintenant il faut enlever le riz. Mais tout va bien, vitesse moyenne 6 nœuds 5. Et nous arrivons au Giglio. Marcelé par la Guardia di Finanza qui nous tourne autour depuis 20 minutes. Mais on ne sait pas exactement ce qu'ils nous veulent. On le saura peut-être un jour. Voilà, c'est un check de la brigade financière qui veut savoir où le bateau est enregistré. Alors pour l'instant il est enregistré nulle part, et donc bah, ils sont en train de checker certainement. Voilà.
efficace, hein. Il a fait chaud gros. Il est gros, c'est nous. Je t'avais dit de ne pas prendre tant de spritz quand même. Hein. On s'est fait repérer au diable. La vitesse que j'ai pas pris. On est à... Il reste 35 000 jusqu'à Bastia. On roule les 7 nœuds. On a l'impression d'être à l'arrêt quand on est à l'intérieur du bateau. À Mont-les-Soignes, la réputation n'est pas usurpée. Si Aveneto Anco di più. Peccatori, anime straziate, pregate per la nostra sorte. Oggi è in ora di a nostra morte. O Santa Maria, e così sia. E tu lo. На страда упа брала и пранка, вишки ой замазли на упанеги, повесано на упанеги. На страда упа брала и пранка, вишки ой замазли на упанеги, повесано на, повесано на, повесано на. Je suis en train de parler de mon goût pour le vin rouge et le vin en général. Et j'ai un problème, c'est que je ne suis jamais malade, j'ai jamais la gueule de bois.
jamais la gueule de bois. Ça me faciliterait la vie si j'avais la gueule de bois. Bon, alors, numéro 1 dans ses œuvres. Non, ça c'est pas possible. Abat un peu peut-être pour nous aider. Il est pris dans le lat. Mais c'est ça les GB full lat, voilà. Alors, Fifi va abattre un peu. Et dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde le. La rouge, elle est max, c'est ça le point. Et on peut la. Ah ben la rouge, on va la sortir. Ouais, là, on va essayer d'être au plus près possible. Je sais pas. Tu fais. Il est bien hissé, hissé là-haut, oui. Bah quasiment, oui, il reste 20 cm. Si vous pouvez reprendre la main. Ça fait tension. Ah oui. Alors le beau-frère par alliance lointaine. Il a un 34 aussi. Oui, il a un 34. Ah oui, immense. Il descend dans le côté. Putain. Ça, la barre est très agréable, surtout quand tu as beaucoup de temps et ainsi de suite. Il est prodigieux. Ah, c'était pas un grand. Premier, deuxième, troisième peut-être petit quartier de la Lune. Bastiano show più al tempo di pro. Vabbè, ti porto che sei. Jeudi matin, Bastia. La météo a un peu évolué cette nuit, il y a un avis de coup de vent samedi, donc au lieu de se promener à Porquerolles, Cassis et éventuellement Sorbiou, on va tirer direct à partir de 10h-11h sur Pornap, et ça devrait se passer tout facile. Donc
on y va. Monte, Fifi. Allez, c'est le phoque, tout est payé. Monte, Fifi. Oui, oui. La marche est haute, t'as mal aux genoux. Alors c'est parti, adieu Bastia, on était bien pourtant, 220 000 jusqu'à Pornap. Cette fois-ci du balcon de... Je crois qu'il est mieux là. C'est le numéro 1. Je crois qu'il est mieux là. Passage du Cap Corse. La Girolata va être passée sous Ginnaker. Bandolero, 7 nœuds. La côte, c'est de l'entrecôte dont je veux parler finalement, elle est bonne. Et le petit rouge de Gus,
qui va probablement mériter quelques éloges. Un petit hôtel, ça, tu sais, comme il y a en Grèce, là, où vous pouvez dîner devant. C'est 14 heures à ceci. Se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. Un cuore di metallo senza l'anima. Il freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci. Il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non puoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Mais avec ces nuages. Je sais pas ce qu'on a fait au bout. Matematica, tuo padre, i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile. Vendredi matin, il est 7h, on a parcouru 90 000 depuis le Cap Corse. On est à une trentaine de milles de Porquerolles, on atteindra à midi pour l'apéro et puis on va probablement s'arrêter déjeuner et reprendre notre route parce que le vent va tourner de telle sorte que nous l'ayons dans le cul jusqu'à Parnap. On a vraiment été gâtés et quand on voit ce qui se passe derrière moi, ça aurait pu être pire.
froid, mais ça coûte. Sous la couette. Il y a 1,50 m de fond. Non, mais théoriquement, entre les deux cailloux, il y a 3 sets. Alors donc, vive les Bretons, la Bretagne, et notamment ceux de Toulon, émigrés à Toulon, à la pointe sud de Porquerolles, que nous virons par temps gris, hein, mais près d'où, vent arrière, peu de vent, malheureusement. C'est du fort assez près, tu te fais gauler par des mecs qui arrivent en Zodiac. Et avant, je crois, l'once du Langoustier, vous avez l'once du Bon Renault. Au loin, très au loin, on voit deux très grands voiliers, voile noire. En tout cas, un voile noir avec une perche immense et un petit blanc un peu plus à l'ouest. Ouais, mais je passe encore les. En fait, juste là, là, il y a dans l'axe des cailloux, là, il y a des hauts fonds, donc je ne vais pas trop jouer. J'attends d'avoir passé et puis là-bas. Tu vois cette plage là où il y a deux voiliers? Oui, elle est forte. Ralentis un peu d'ailleurs parce qu'on va pas avoir fini l'apéro avant le port. Ralentis un peu parce que sinon on va arriver trop tôt pour finir l'apéro. Là on a encore pris en flagrant délit. Remonter les défenses. Attention. Descends un peu. Là. Tu as vu que ça descend facilement. Ouais. C'est bon. On va avoir du vent donc on peut lui mettre un petit coup hein. Ouais, je pense, on y retournera si c'est besoin. On est parti à 16h30 de Porquerolles. Bon, on voit d'abord le Cap-Sissier qui est majestueux. Généralement, on prend une branlée au Cap-Sissier, mais je pense que ce soir, non. Et puis ensuite, on va passer Marseille, Golfe de Fos et s'infiltrer dans le canal de Port-Nappe, dans lequel on devrait arriver si tout va bien, puisque là, on est à 5 nœuds, mais on va accélérer. On va y arriver dans 6 heures, donc 1h, 1h30 du mat. Ici, à 3 ça... mètres. 3 mètres, on est large. Regarde, hein. Regarde les deux cailloux, là, les deux plus bas, ça passait entre les deux. T'as pas voulu, mais... Tu le feras avec ton bateau, quand tu auras ton Swan. Ce que je te souhaite. Un jour, peut-être, dans 20 ans. Jamais ça tombe en ruine, un Swan. Si c'est entretenu. À 130, 140, pour pas être emmerdé, quitte à...
va faire attention à la baume à peu près tout le temps. Non, non, mais attends, je vais remettre un peu les idées en place. Fais des pointes à 15 nœuds. Là, j'ai l'œil sur le sondeur. On y est, pour Nappe, après presque 1000 milles depuis le 30 octobre. Petite interruption de 5 jours, mais on y est. Philippe ? J'ai reçu mission de Pascal de veiller à la nourriture. Vas-y. Au bon Nolero ! Et Bépip ! Hourra ! Et Bépip ! Hourra ! Et Bépip ! Hourra ! That's it.